Donc, je me présente, hein. Je suis Sam Liefeld. Je suis styliste de père en fils depuis 1970. Allez, suivez-moi. Juste refermer derrière nous. Vous pouvez prendre une. Vous avez pas Allez-y. mal de petits magazines sur comment s'habiller, bien choisir ses vêtements, tout ça. Ah ben je vais regarder ça alors. Très bien. Voilà. Alors, ça y est, ça c'est bon. PC Venzi s'est fait calmer. Vêtements, je veux des vêtements, monsieur. Non, pas de vêtements. vous vouliez une veste, hein? Oui, c'est ça, oui. Alors moi, ce que je vous propose, monsieur, parce que la mode n'est plus de porter une veste, hein, c'est complètement has-been. Sympa la voiture. Ah ouais? Alors, ce que je vous propose, moi, monsieur, c'est tout simplement de virer la veste Tu veux une et de ne couleur, porter qu'une sérieusement? simple chemise ou un polo, au choix. D'accord, très bien. Je fais du L, monsieur. Vous avez, c'est où les L, s'il vous plaît? Bah, si vous voulez, installez-vous dans la cabine d'essayage, là. Le bouton sert à fermer la porte de l'intérieur. Je te touche ton Je ne petit peux pas cul. l'ouvrir de l'extérieur. Donc je n'ai pas de chemise Oh, à essayer, bâtard! là. Je vous la donner, je vous Ah, l'amène. tu touches mon cul! Ah, d'accord. Ah, tu touches mon cul! Vous pouvez ouvrir la cabine, s'il vous plaît? Des curieux que, bienvenue dans la Supra Family. Attention à vous, monsieur. Viens, on se défonce, viens, on se défonce, Ah, viens. attendez. Ça doit pas être le bon carton. Voilà, la chemise est dedans, monsieur. Merci. Je vais se faire votre essayage. Yogramou! Non, je ne suis plus admin, les gens. Monsieur, Yosenko! monsieur, Voyez, monsieur, Shuriki qui est c'est là. un grain. Monsieur, cet homme, parce que vêtement, Non, c'est mon cul, monsieur. Il a touché mon Et cul. alors, Radi Nuggets! Bienvenue dans la Supra Family! Vous allez bien? Oui, monsieur, oui. Je change, j'essaie la veste. J'ai entendu un drôle de bruit, vous êtes tombé? Monsieur, c'est pas mes affaires, ça, c'est pas à moi, les elfes. Non, non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Ah bah, je défonce sa race. Ah ouais, bah, je vais le tuer. Vous avez un miroir? Dites-moi tout. Non, il a pas encore été livré. Je porte plainte pour agression. Ah, je vais oui, voir si je peux pas vous installer un truc vite fait, mais je suis pas sûr. Arrête. Je suis désolé, monsieur, le magasin est fermé, j'aurai pas le miroir ce soir. Mais bougez pas. Ah, d'accord. Dommage. Je vous prends en photo et je vous montre ça. Voilà. Attendez, monsieur, je vais prendre. Monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle. Vous voyez, hein, moi je pense que ça vous va bien, hein. La coupe vous sait bien. Ouais, carrément. Ouais. Pas mal. Oui, il ouvre quand le magasin là par contre? J'en sais rien. Est-ce que ça vous plaît? Par contre, c'est moi d'abord, pas toi. J'aime bien. Je me sens bien dedans en fait. Bah, c'est du Armani, ce serait dommage que vous aimiez pas. Ouais, je sais, Wentz. Et je vous dois combien du coup pour cette veste, monsieur? Parce que je pense que je vais la prendre, enfin cette chemise. Chemise Armani, elle est à 250 euros, monsieur. Très bien. Moi, je vais vous donner ça alors. On va passer en Il y caisse, si a... vous voulez bien. Je vous mets ça dans la caisse? Non, posez l'argent sur la table directement. Je vais m'en débrouiller. D'accord. Putain, vous m'avez fait peur. Oh, le salopard. Salut. Merci, Crypto, c'est gentil. Attention, parce que... Ah, je vous donne un petit pourboire, monsieur. Ah, bah, c'est gentil. Police. Oh, putain, ok, d'accord. Merci, bien. Parce que mon patron paye pas beaucoup, en plus. Et en plus, je suis un homme. Ah, la police! La police! Juste déguisé. Ah, monsieur, monsieur. Madame. Quoi? Voilà. Vous avez un bon petit cul, quand même.
Allez, ouais, Bonjour, bonjour. Un très bon petit. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Au revoir. Oh là, oh là. Moi et moi, le voiture, vous devez faire habiller. Ah non, 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 mais c'est une personne à la fois, c'est une vente privée ici, monsieur. Et vous sentez trop mauvais, là. Allez prendre une douche. J'ai trouvé des sous. J'ai trouvé des sous sous la voiture, là. Je m'en fiche, monsieur, allez prendre une douche. Moi, je vous reçois pas, c'est pas là. Mais monsieur, non. Non, mais c'est bon. Faut te le dire en quelle langue. Tu pues, tu dégages. Va prendre une douche. M'en fous. Appelez la police si vous voulez que je m'en vais. Nous, les stylistes, on règle pas ça avec la police. Tu vas prendre une steak, toi. On est dans un pays libre. Tu vas prendre une steak. Des vêtements à n'importe qui. Attends, tu pues. Normal, ça. Je vais aller me plaindre. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Il va vous mettre en prison. Allez, entrez, monsieur. De toute façon, vos vêtements, ils puent. Bon. Tire-toi, Baltringue. Ouais, Baltringue. Laisse cette porte avant que je te tue. Je la tiens. C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Ton sort, casse-toi. Je vais aller voir le mec. Casse-toi, Baltringue. Feu, feu. La voiture de merde, ça. Allez, allons-y, monsieur. Non, dites pas tout. Alors, monsieur. J'attends. Ouais, je ferme la porte, hein, vu qu'il s'agit de vente privée, monsieur. Ouais, oui, pas de problème. Alors, monsieur, je vais bientôt me marier et je voudrais un costume. Un costume, vous en avez, bien sûr. D'accord. Vous avez quel budget? Parce que costume, dans mon magasin, monsieur... $2,500, monsieur. Dollars? Ah, moi, j'accepte que les euros, monsieur. Hein. Excusez-moi, 2500 euros. 2500 euros, ok. Donc là, on peut partir sur du Armani, je pense, hein, du Armani, ou peut-être du Eden Park. J'ai regardé ce que j'ai. Allez, asseyez-vous sur la chaise. Là, sur le fauteuil, dans la cabine d'essayage. Là, sur le fauteuil, dans la cabine d'essayage. D'accord. Voilà, j'ai un petit costume Armani pour vous là-dedans. Donc, vous appuyez sur le bouton pour fermer la porte, hein, monsieur. J'ai pas trop envie de vous voir nu. Caca! Bienvenue dans la super famille! Y'a pas de problème, merci monsieur. Je vais pas forcément les tuer. Mais lui, j'aime le faire. Ah, c'est Frazert, ça. Je crois que c'est Frazert. Je vais tuer. Voilà, monsieur. Je le trouve très... Ah, c'est très saillant. Super... Hein. Bougez pas, je vous fais une photo, je vous montre la photo. Moi, je trouve qu'il vous va super bien. Hein. Wow. Super bien. Ouais, ouais, il est super bon. Dis-le, Super Family. Bah alors, je vais le prendre, monsieur. Ouais. D'accord, c'est combien, 2500? 2500, tout à fait, pile poil. Et je vous fais un prix. Hein. Il faudra pas le dire à mon patron. Posez ça sur le bureau à côté de la caisse, s'il vous plaît. Par contre, le gardez pas sur vous, vous allez l'abîmer. Aikios, bienvenue dans la Supra Family. Remettez-le dans la boîte, sinon vous allez l'abîmer. Ah oui, c'est vrai. Je suis contre le mariage, moi! Contre le mariage, moi! Tu t'y attendais pas, hein? Non. Bon, par contre, voilà. Je veux bien mon argent, hein? Toutes les raisons sont bonnes pour les tuer. J'espère, Army Max, on verra bien. Yo, Yacine. Voilà. Hugo, bienvenue dans la Supra Family. Oui, monsieur Wentz.
Il est pas là-dedans, Axelov. Fire Killer, bienvenue dans la Supra Family. Ah non, c'était Zidriki, j'ai cru que c'était Fraser. Moumou, bienvenue dans la Supra Family. T'as kiffé? Ça a été rapide, hein, mais je voulais faire durer, mais... A plus, Wentz. Ça bug un peu par moment. Deadpool Merguez, bienvenue dans la Supra Family. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est pour acheter des vêtements, monsieur? J'aime ça. Bienvenue dans la Supra Family. Oui. Allez, suivez-moi, monsieur. Entrez. Alors, je vous écoute. Hein. Vas-y, entrez. Je ferme, hein, vu que c'est... J'aimerais... Oui, je vous en prie. Achetez de la meute. Bienvenue dans la Supra Family. Alors, je vous écoute. Sky Zippo, bienvenue dans la Supra Family. Une chemise, s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que j'ai pas une chemise. Une chemise. Viera Hop, bienvenue dans la Supra Family. Oui, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez bien vous asseoir ici sur la chaise, s'il vous plaît. Master Pêcheur, bienvenue dans la Supra Family. Pas de soucis, Dreki, merci de l'info. Vous pouvez vous asseoir hein, sur le fauteuil, vous avez le droit. C'est fait pour, c'est tout simplement un fauteuil en fait. Vous n'arrivez pas à vous asseoir. Vous ne savez pas vous asseoir, peut-être vous ne l'avez pas appris à l'école de police. Non, je ne l'ai pas appris. Voilà, je vous amène ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Alors, attendez. Ah, vous avez les yeux noirs. On va peut-être partir sur une flanelle légèrement verte, un peu, pour faire ressortir vos yeux. Par contre, vous me gardez pas ça comme pantalon, monsieur. Hein. C'est... Vous mettez pas une chemise avec cette merde. Hein. D'accord. Moi, je vais vous mettre un... Un beau jean, vous voyez, hein, vraiment un beau jean. Un petit Levi's 501, ça va vous mouler les petites fesses, là. Matt, bienvenue dans la Supra Family. Ça va vous faire un cul de DS, c'est simple. Avec une bonne petite paire de Timberland derrière, vous allez kiffer. Gravity Shinix, bienvenue dans la Supra Family. Ça va peut-être être trop cher pour moi. Mais non, vous inquiétez pas, je fais des remises pour la police. D'accord. Brice, bienvenue dans la Supra Family. Voilà, monsieur. Pour vous changer, hein, tout est dedans. Je vous laisse appuyer sur le bouton sur votre gauche pour fermer la porte, monsieur. Pour vous habiller. Vous changer. Oh, ça peut le faire, ça. Il pleut du follow, mais les viewers se tirent. Si on arrive au 9400 ce soir, je vous fais un giveaway, les gars. Ça y est, vous avez fini? Ah non, monsieur. Je vais me prendre un petit café, moi. Nello, bienvenue dans la Supra Family. Je crois que je suis en train de me faire piquer ma voiture. Zulk, bienvenue dans la Supra Family. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la machine à café là-dedans.
Voilà, vous avez fini, monsieur ? Monsieur ? Monsieur, bonjour. Bonjour. J'ai un de vos collègues à l'intérieur, là, mais il répond plus. Vas-y, entrez. Je peux entrer ? Oui, oui, allez-y. Il est dans la cabine d'essayage, mais il répond plus. Vous voulez bien vous mettre avec moi, s'il vous plaît, pour l'ouvrir ? Il faudrait m'aider à pousser la planche, en fait. Ah oui, bien sûr. Allez, à 3. 1, 2, 3. What ? Il est passé où ? Mais où est-ce qu'il est parti ? Il y avait quelqu'un juste ici, je vous le jure. Sur la tête de moi, il y avait quelqu'un ici. Ah, je crois, monsieur. Ah, c'est bizarre. Alors, dites-moi tout, pourquoi vous êtes là ? En fait, j'ai peur, en fait. Je crois que j'ai tout le temps peur. J'ai une boule au ventre. Depuis une semaine. Et vous pensez qu'un vêtement pourra vous aider là-dedans ? En vêtement ? Ah oui, vous voyez bien que je vais avoir des vêtements, monsieur. Parce que depuis une semaine, j'arrive pas à enlever mes gants, en fait. D'accord. Alors, vous avez des grosses mains et une petite tête, hein. Vous êtes mal foutu. Bon, écoute, ma chérie, on va faire simple. T'as pas l'air d'avoir beaucoup de cheveux, donc je sais quel style il te faut. Toi, c'est le style monsieur propre. Donc on va partir sur un beau petit t-shirt qui sert bien le corps, un beau jean qui moule bien le cul, une paire de Jordan. On va prendre un jean en bootcut, hein. On va mettre une paire de Jordan en dessous, et ça va être le style de l'été, ma chérie, d'accord ? D'accord. Allez, va t'asseoir sur le fauteuil, je t'amène tout ça. Tiens, regarde. Je t'ai mis un Levi's, hein. Okay. Bon, je te laisse fermer la porte à ta gauche, ma chérie. Tu t'habilles, et puis tu m'appelles quand t'as fini, et je vais te dire ce que j'en pense. Je prépare l'appareil photo. Ok. Ah lui, il va crever, lui. Violeur de panda, bienvenue dans la Supra Family. Voilà. Ah oui. Tiens. Ah bah là, ma chérie, c'est le style de l'été, là. Regarde, je te prends en photo, bouge pas, hein. D'accord. Regarde comme t'es belle là-dessus. T'es magnifique. C'est magnifique, ça. Tu es belle. Ouais, je suis bien. Allez, tu vas tout me remettre dans la boîte et puis on va passer à la facturation, d'accord ? D'accord. Non, mais il faut retourner dans la cabine d'essayage, ma chérie. Te déshabille pas devant moi, ça. C'est gênant. Je refile mes vêtements normal. Ah oui. Il faut les nettoyer, de toute façon, les vêtements, avant de les mettre. Ferme la porte derrière toi. Ouais. T'es moche comme un pou. T'es moche. Il s'y attendait pas. WS, bienvenue dans la Supra Family.